Ok les potes, nouvelle boutique. N'oubliez pas un petit pouce bleu et de vous abonner. Moi j'ai un peu en retard pour la boutique, je me réveille il y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que ma pote elle a déjà le skin. Du coup elle a déjà la boutique, elle a déjà le pigeon. Du coup n'oubliez pas le petit code créateur chez la gameuse. J'ai la gameuse écrit comme ça, entièrement majuscule ou majuscule. C'est comme vous voulez, moi je l'écris comme ça. J'aime bien l'écrire comme ça, simplement. Du coup il y a également le pack de skins. Donc les notes qui sont à 800 bucks. Ça, c'est toujours été. Je ne sais pas quoi, c'est la première fois de tous les SACS qu'il y a deux skins au lieu de un. Bon, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont acheter le skin féminin que le gars. C'est juste un point de vue. Donc, la championne, du coup, éclaireuse, elle est stylée, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'avais très très hâte d'avoir ce pack. Après, il y a également le Pantin Suprême. Alors, moi, je suis pas trop fan spécialement de ce skin de base, mais en couleur comme ça rend bien. La première version, vous savez, le skin Pantin, la version jaune. Bref, j'en pousse un là. Bon. Alors, il est disponible, je rappelle que les skins restent le 17 novembre apparemment, à 2h du matin de la boutique. Bon, je pense à 1h pour heure française. Je vous rappelle encore une fois, 2h du matin, voilà, c'est sûrement 1h, je pense. Ils n'ont pas changé l'horaire de ça. Donc, ouais. Alors, du coup, dites-moi en commentaire si vous en pensez quoi. Vous avez également le cadeau. Donc, ouais, plutôt sympathique le cadeau. Je pense qu'avec le skin mec, le cadeau, je pense plus. Vous avez également la pioche. La pioche, je pas une pioche que j'avais déjà, moi. Avec un des skins, je crois que c'est un peu recyclé. La pioche aussi, parce que je l'ai déjà, cette pioche-là, mais avec une autre couleur. En couleur noire et argentée, je crois. Le planeur. C'est vrai, ils ont vraiment mis le planeur requin, quoi. Ils ont un peu mis un autre planeur, mais non, ils ont mis ce planeur-là. Qui va vraiment jouer à ce planeur, les gars? Dites-moi en commentaire. Il est géant, quoi. Ça, c'est recyclé. Genre, clairement, c'est un skin, un truc qui existe déjà. Bon, je jouerai jamais avec le planeur comme ça. Mais bon, voilà, c'est un truc du coup exclusif. Je vous rappelle encore une fois, les gars, tout ce qui est ici sort une seule fois, juste au 17 novembre actuel. Après cette date, il ne sortira plus jamais, de jamais, de jamais en boutique ou quoi que ce soit autre manière, ok? Je vous le dis avant, je vous le redis parce que je sais très bien que on va me dire, ouais, mais ils sortent quand les skins de nouveau? Ils vont être rares au bout d'un moment, bien sûr, comme tous les skins SACS, ils sont jamais ressortis, aucun d'entre eux, et encore eux, parce que sinon. Bah, Epic Games mentirait, quoi, en gros. Voilà, du coup, le skin tout seul, il coûte 800 bucks chacun. Ça, c'est bien, c'est un petit prix assez bas pour que tout le monde puisse l'acheter s'il le souhaite. Donc, c'est un prix pas trop cher. Ça pour un skin exclusif, surtout. Sac à dos, par contre, il coûte 400 bucks, il coûte quasiment la moitié du skin. Là, c'est une dingue exagère de sac à dos. Et également, la petite pioche, bon, là, 500 bucks, c'est à peu près les prix des pioches de base. 800 bucks le planeur, donc, c'est sûr que le planeur, de comme ça, requin en version normale, il est plus cher que celui-là. Alors celui-là il est exclusif. Donc bon, il n'y a que dire de mieux. La piste musicale de 200 V-Bucks, bon ça c'est un prix normal pour une piste musicale. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez prendre le pack ou vous allez prendre que l'un des skins ou la pioche, etc. Avec. Moi en vrai j'hésite un petit peu. Une partie de moi me dit ouais c'est exclusif. Une autre partie de moi dit je veux que le skin féminin. Et à l'arrière peut-être la piste musicale parce que j'avoue j'aime bien les pistes musicales TCS en général donc. J'avoue que j'ai une petite hésitation. Je sais pas, les gars, je sais pas. C'est quand même 2300 V-Bucks, hein. Après, c'est exclusif. Je regretterai sûrement si j'achète pas le pack en question. Ah là là, je sais pas, les gars. Bon, allez, vas-y. Je sais très bien, je vais finir par acheter le pack de toute façon. Je me connais, hein, les gars. Je vais hésiter, hésiter, regarder, regarder. Puis au bout d'un moment, je vais finir par acheter le pack. Je me connais très bien. Autant prendre le pack, de toute façon. Je vais finir par l'acheter de toute façon. Même si à la base je vais jouer sûrement plus, pas avec le planeur parce que en vrai c'est trop gros comme planeur et c'est pas trop le genre de planeur que je joue de base. Et puis même, j'ai même pas acheté le premier version du planeur là, le requin, je peux pas jouer celui-là non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va mettre le petit skin après. On va regarder la boutique d'abord. Continuons la petite boutique. Le Jade la Rouge du coup à 800 V-Bucks. On a du coup Victoria Saint à 1200 avec sa petite pioche. C'est chose de vampire et de garou. On a également le petit retour des skins. À moi, le pack coûte 600 V-Bucks parce que j'ai déjà une partie du pack. Donc, c'est les skins motard samouraï, du coup. Fonceur, le petit sac à dos. Et j'ai déjà la rafale blanche, du coup, le petit planeur. Donc, là, également, le skin typhon. Voilà, moi, j'avais acheté ça il y a longtemps, les gars. Je sais qu'avant, il n'y avait pas les packs de ce genre de skin. Parce qu'en vrai, ils sont sortis il y a 4 ans. Et ça fait quand même. Avant, il n'y avait pas de custom. Je me souviens qu'il n'y avait pas. La deuxième custom, ils l'ont sorti beaucoup plus tard. Mais voilà. Donc en vrai, c'est plutôt stylé. Genre le skin qui revient en boutique. Ça fait plaisir.
Ensuite, également, le retour, moi je l'appelle, c'est le nom que je l'appelle, ok, c'est pas le vrai nom, parce qu'elle s'appelle Ocelot, mais moi je l'appelle toujours le Lynx 2.0, parce que ceux qui étaient là, chapitre 1, vous avez la ref du skin que je viens de parler, ceux qui n'étaient pas là, bah vous avez sûrement pas la ref, mais peut-être que vous connaissez un petit peu le skin Lynx, qui était un skin de base de combat de la saison 7, chapitre 1, donc voilà, c'était un skin, du coup, version 1 de ce skin-là. On a également le skin Vittorion de retour boutique avec le skin Ventura, tout l'ensemble, bon là j'ai rien du pack. Donc le prix est le vrai prix, 2100 V-Bucks. On a du coup le skin 1500 V-Bucks chacun avec la petite pioche à 800 et le planeur à 500 V-Bucks. Jusque là je crois qu'on est bon. Boutique quotidienne, oh! On a le retour du Joker, ok. Alors le Joker je vous rappelle maintenant il y a 5 custom. Parce qu'avant il n'y en avait que 4. La cinquième est arrivée à la Saint-Patrick. C'est pas cette année du coup. Voilà, petite custom sympathique du coup. On a du coup le sac à dos avec. Bien sûr pour 2000 V-Bucks. On a également le Poiscaille d'Atlantique à 1200 V-Bucks. On a l'Intimidation pour 200 V-Bucks. On a du coup Raskit pour également 200 V-Bucks. Ça, c'est tous les joueurs quand ils voient des gros tryhards dans les games et qu'ils sont fait éclater par un tryhard qui construit une tour de piste. Oui, il y en a encore des tryhards. Beaucoup. Vive la victoire! Oui! Pour 500 V-Bucks de retour en boutique. Petite danse, je la faisais tout le temps avant. Dès que je faisais un petit top 1, dès que je tuais un gros tryhard, j'étais super content de tuer un tryhard, le site Capone, ce genre de choses. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore ce skin là, mais vous avez compris le casque que je parle. Bref, on a également soulève le toit pour 200 V-Bucks. Et pour finir, du coup, cette boutique, on a toujours le petit pack de skins, je vous rappelle, de niveau qui vous donne 28 niveaux, qui vous donne un skin plutôt stylé, j'ai envie de vous dire. Mais aussi, si vous voulez rusher votre passe de combat, que vous voulez rusher avoir le skin gratuit Potiron que j'ai actuellement cremé, et eh ben ce pack peut aider pour faire tout ça. À 1200 V-Bucks, je trouve, c'est plutôt assez rentable. Et en plus, on récupère des niveaux, voilà, ça fait toujours plaisir. Le partenariat avec Polo Stadium, toujours disponible. Bien entendu, tout l'ensemble. Et séparément, également la petite danse. Peut-être que beaucoup d'entre vous avez eu la danse gratuite avec le tournoi, d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez fait le tournoi de ce pack-là, ici, et que vous avez peut-être eu la danse, ou les skins aussi, hein, c'est possible. Également, toujours disponible, bah, eux, ils campent dans la boutique. Hein. Le partenariat avec Rick et Morty, ils sont en train de camper dans la boutique. Ouais, alors c'est reparti les mecs, hein. Je sais rien, ça fait 1000 ans que vous êtes dans la boutique, c'est bon. On vous a assez vu. Et le club de Fortnite de ce mois-ci avec des V-Bucks et passes de combat à l'intérieur si vous l'avez pas déjà. Sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos et prochain live. Sur ce, bye bye!